Maintenant, on devrait commencer la petite surprise. C'est que j'ai un couple qui s'est marié, qui a fait le défi en ligne de 6 semaines et qui est présent avec nous et qui va pouvoir vous donner leurs meilleurs conseils parce que eux, il y a un an, on ne se connaissait pas, ils étaient absolument débutants. Ils ont fait une chorégraphie qui était honnêtement, j'avais assez confiance en eux, mais qui était au-delà de ce que j'attendais. Donc, Aurélie et JM, est-ce que vous voulez échanger avec nous? Premièrement, comment ça va? Bonjour. Félicitations pour votre mariage. Merci. J'aimerais savoir comment. Une Bonjour. grande qui vous assistez. J'aimerais savoir comment est-ce que vous avez découvert que ça fonctionnait, que ça existait, le défi en ligne de 6 semaines? Alors, nous, en fait, moi, tu sais bien que je fouine, je suis une grande fouineuse. Et en fait, j'ai découvert d'abord tes tutos sur YouTube. Je savais pas. Du coup, on avait Jean-Marie n'était pas du tout danseur, pas du tout. Moi, j'aimais bien tout ce qui était Zumba. Et en fait, j'ai dit à Sarah et Fouca, mais t'es bien qu'on danse, mais comme on ne savait pas du tout danser. Et en fait, j'ai commencé à fouiner. Et en fait, à chaque fois, je retombais sur tes vidéos avec, je ne sais plus comment il s'appelle, qui fait Jérémy. toujours et bonjour dans les tutos. Et je trouvais que c'était assez bien fait. Et puis, je me suis inscrite sur un groupe Facebook de mariés. Et à un moment donné, ton groupe privé est sorti. Et quand je suis allée dessus, j'ai Jean-Marie, je dis, bah tiens, c'est marrant, finalement, c'est la même fille qui a fait les tutos sur YouTube. Et là, tu m'as contactée. Et puis, on a fait exactement comme vous tous, Il n'y a plus l'atelier. d'un an maintenant. Ben ouais. Et Oui. ça nous ramène un an en arrière et ça a convaincu Jean-Marie. La boucle est bouclée. C'était quoi votre niveau avant de commencer le défi en ligne? Bah, zéro. Bah, en tout cas, je parle pour moi. Autant Aurélie, Non, j'avais fait la Zumba, j'avais pas fait. elle s'est un peu bougée, mais c'est vrai que moi, je pars de zéro. Donc, je suis raide, tu sais, je suis raide comme un bâton. Donc, je t'avoue que la grâce n'est pas trop ma définition. Et moi, je suis dans le contrôle permanent, donc du coup, effectivement, ça peut vite donner quelque chose qui est très raide. Ah Donc, c'est la première fois que vous dansiez en couple de danse de oui, salon. complètement. ah Ok. oui. C'est quoi votre figure préférée à chacun de la chorégraphie? Ah ben, Bah, moi, c'est le moi, deuxième. moi c'est le dernier pas, c'est le deuxième porté. C'est C'est quand. celui, tu nous avais dit qu'il n'était pas pour les débutants et que ce Ouais. n'était pas pour nous. Ou Ouais. celui-là, il est resté. C'est celui-là. Ça, c'est mon préféré. C'est notre préféré. On a mis un peu de temps avant de se caler, avant de savoir comment faire, parce que je suis un peu brut de décoffrage. Et quand tu m'avais dit, je me souviens, vas-y, il faut envoyer, bah, j'envoyais des fois un peu trop fort et des colères vraiment. Et quand il fallait s'arrêter, bah, je m'ai arrêté d'un coup. Donc des fois, ça pouvait donner des choses un peu cocasses. Donc voilà. Mais après, on a su s'adapter et tout régler. Donc c'est vrai que c'est sympa. Donc tous les deux, c'est le deuxième porté. Ouais. Oui, c'est celui en fait qui nous a. Enfin, on a travaillé, on a beaucoup travaillé. Avec beaucoup de changements de, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Maïna, je crois Oui, qu'on l'a fait énormément. vrai que Oui. le fait de voir les autres couples, parce qu'en fait, on a le groupe privé et un groupe de partage avant tout. Et c'est vrai que moi, je me souviens encore de la première masterclass. En plus, nous, on est arrivés, bah, les couples allaient se marier, en fait. Donc, on arrivait sur les fins de Et chorégraphie donc qui tout le monde était étaient. calé déjà, donc c'est vrai que C'était magnifique. ça Mais nous a mis une vraiment. pression aussi un petit peu en disant putain, Ils ont un niveau de ils ont un ouf. niveau de ouf, nous on arrive, on est moins 10 000 quoi, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est ce que j'allais dire. J'ai déjà un problème, c'est que tous les couples qui sont avec nous en ce moment, ils ont vu votre chorégraphie, moi, vous mettez la pression à mes nouveaux, en fait. Et je me dis, c'est un cycle perpétuel. Ouais. Après, avec du travail, de toute façon, on y arrive. Mais non, mais c'est surtout qu'on a travaillé, mais nous aussi, ça nous a mis la pression. Quand au début on a commencé, on a vu où déjà Mais faut danser. l'élaboration de la chorégraphie en elle-même n'est pas évidente. Donc, c'est vrai que alors, Les ton tutos. site, tes tutos, ton site nous a énormément aidés. Après, c'est plus l'enchaînement,
comment mettre les pas, les bons pas au bon moment, ça, c'est pas évident. Mais après, une fois qu'on a trouvé, après, ça va tout seul, quoi. Après, comme tout, c'est du travail. Donc, la confiance du groupe. Enfin, nous, ce qui nous Ouais, a aidé, c'est la bienveillance la du groupe. bienveillance du groupe. Parce que plus ça va, plus. Moi, perso, j'ai hyper appris dans tout ce qui est estime de moi. Enfin, parce que c'est pas évident aussi de. Bah, là, on voit que les caméras, elles sont éteintes. Là, j'ai ma grande qui me dit pourquoi les caméras, elles sont éteintes? Je dis, nous, on a vécu ça aussi. C'est au début, bah, on ne se montre pas. Faut arriver à se filmer, faut arriver à danser devant tout le monde, et finalement c'est comme ça qu'on apprend, et en fait on se rend compte que tout le monde est bienveillant. Bon, en tout cas, je pense que tu amènes ça, Maïna. Tu amènes des gens bienveillants, il n'y a pas de jugement, et ça aide. Et comme on voit finalement tout le monde ressent les mêmes émotions, le même stress, et ben ça a permis aussi qu'on avance un petit peu plus là-dessus, quoi, sur la Ouais. confiance en soi. Il n'y a pas le choix pour la bienveillance, je rebondis, parce que quand je fais des interviews des autres champions de France de danse, moi je dis, les personnes que je respecte le plus, c'est mes autres concurrentes, championnes ou pas, parce qu'on sait exactement ce que les autres vivent. Puis c'est pas que je suis obligée d'être bienveillante, c'est que tout le monde a commencé, je vous ai tous vu, tout le monde, même moi, tout le monde a commencé du même pied d'égalité. Niveau. Il n'y a pas de raison en fait. Le jour J, comment ça s'est passé? Alors, comme tu disais tout à l'heure, en fait, on a écouté tous tes conseils. Et moi, j'ai toujours été une très, très grande traqueuse. Donc, du premier jour, on a commencé à danser les masterclass, je tremblais de la tête aux pieds. Et même pour le mariage, c'était le regard sur soi, c'est compliqué. Et là, on a beaucoup pensé à toi parce que bah là, ça a été le stress, hein. Ça a été effectivement. Donc le matin, on s'est découvert le matin avec la robe. Donc on a pu s'entraîner avec Voilà, c'est une première fois. s'entraîner première fois. Ça s'est bien passé. En fait, j'étais tellement concentrée sur la robe, hein, que j'ai pas tremblé puisque finalement j'étais sur la robe et j'ai dansé en fait, enfin machinalement. Et par contre. Quand il y a eu la soirée, en fait, toute la journée, après, Jean-Marie a marché sur ma robe. Voilà, là. Et En du coup, marchant, pas en et oui, dansant. et en fait, hein, je suis dit, tu vas marcher sur ma robe. Et j'ai dit, c'est sûr, tu vas marcher sur ma robe. Et finalement, on avait plein d'épingles à nourrice, hein, on a écouté tous les conseils. Et puis, bah, le gâteau est arrivé, puis j'ai commencé à sentir la pression qui montait. Et on s'est dit, bah, faut qu'on aille s'entraîner. Et alors là, j'ai blackout, mais complet. Oublie. Et Elle a eu un là, blanc. je l'ai regardé, j'ai dit, alors là, je ne sais plus tout ce que je dois faire. Et là, j'ai commencé Non, ouais. à me faire monter en pression, j'ai dit, Ouais, je ne vais jamais y arriver. c'était quoi? C'était C'était. quoi? Peut-être une petite demi-heure? Ah ouais, ça a été. Une demi-heure juste, une demi-heure juste avant notre l'ouverture de bal. J'ai une copine qui va faire des respirations. Après, le photographe, il est arrivé. Il m'a dit, tu l'as fait ce matin, ça va le faire. Ouais. Et par contre, j'ai dit à Jean-Marie, il faut que tu me dises Tu guides. chaque Ouais. mouvement. Et toute la choré, il m'a dit, là, c'est le câlin. Hein, là, on tourne. Là, c'est maintenant. Pour me garder ancrée. Mais là, Concentré. j'avais. Non, là, c'était dur. Pour moi, c'était dur. Le moment M ou la dernière répétition? Le moment T? Ah oui, le moment juste avant Non, tiens, l'ouverture. une Juste demi-heure. avant, Oui, oui, bien sûr. juste avant, mais on est allé s'entraîner, c'est là, je te dis, j'ai eu blackout. Oui, Mais on oui, s'est oui. entraîné. Ouais. On s'est entraîné donc le matin. Bah, le matin. Le matin, ça a été. On s'est entraîné une première fois le vendredi soir, quand on était juste entre tous les deux, mais habillés comme on est là. Après, on s'est entraîné le matin une première Avec la fois robe. avec la robe. On s'est re-entraîné une demi-heure avant. Et c'est là, la demi-heure avant, où Aurélie, elle a fait un rideau. Fin du bal. Voilà. Et le moment, comment ça s'est Ah passé? bah, très bien. Et le moment lui-même, franchement, Très pas de bien, parce que souci. justement, Jean-Marie, à chaque fois, m'a dit l'agitation, là, il va falloir que tu me parles tout le long, parce Et donc, j'ai que. pas. Donc, tu sais, je lui ai dit tous les pas qu'on avait. Donc. Mais non, c'était super, hein, Ouais. c'était magique, hein, on s'est pas trompé. Non. Non, c'était cool. Non, la robe, comme toute la journée, je l'ai trimballée, ouf. Où je la prenais et ça m'a permis de m'entraîner aussi, même pour danser, parce que du coup, on s'est entraîné avec les mains. Et si on avait la robe d'entraînement, tu t'entraînes. Mais là, en fait, ce qui m'a déstabilisée, c'est que elle avait beaucoup, beaucoup Quoi? de poids. Et le jupon, tu sais, je chantais plus mon cerceau. Parce que du coup, à chaque fois, je me suis entraînée avec mon cerceau, même pour m'asseoir et tout.
Et là, en fait, j'arrivais pas à attraper le cerceau. J'avais tellement de Ok. couches sur ma robe L'épaisseur. Elle que du avait trop coup, d'épaisseur. ouais, beaucoup d'épaisseur. Et donc, on a retravaillé ça et on a remis des petites épingles. On en a remis Voilà, quatre. les épingles. Ça. En fait, elles n'ont Et servi à rien, mais c'était dans ma tête. Hein. C'était. oui, bah, ça prend quand même. Mais je pense que ça va quand même plus aider de le faire quand même avec le jupon. T'imagines, tu passes de short de sport en école de danse à même C'est pas pas le possible. jupon. Il faut aller par étapes, tu vois. C'est pas possible. Et même tout ce que tu nous as dit de nous entraîner avant, déjà, on a réussi à aller dans notre salle où on a fait la répète avec Ce toi. qui est vachement bien. Parce que du coup, bah, on est dans notre salon. Parce que c'est vrai que c'est compliqué de passer du salon à la salle, même en termes de repères. Et après, non, de faire les mouvements avant. Donc, c'est vrai que c'est compliqué d'arriver à trouver un endroit où personne te voit, parce que tu as envie de garder la surprise. Donc, nous, on a un témoin qui a fait barrage sur justement pour qu'on puisse s'entraîner. Mais Tranquillement. c'est ce qui nous a permis vraiment d'être plus confiants bah, au moment de la faire. Par contre, moi, j'avais qu'une hâte, c'était qu'il fallait qu'on la fasse, quoi. Là, à un moment donné, la Bah, pression, elle est montée. J'ai dit, là, il au faut bout d'un qu'on y moment, Aurélie aille. nous dit, Le gâteau, je n'ai pas mangé, hein. C'est pas grave, le gâteau, on mangera je lui dis, non, après. mais c'est pas grave, le gâteau arrive, on le fait maintenant. Là, il faut que je le fasse. On va, ok, attends, on va le faire. Donc, vu Et qu'on était bien timé, ça s'est passé nickel. c'est bon. C'était quoi le retour des gens? Est-ce que vous avez. Parce que parfois, je le précise à chaque fois, vous n'avez pas le retour, surtout si vous avez lancé la soirée. Là, les gens, ils veulent juste, genre, ouais, ils veulent vous rejoindre, puis ils Non, dansent. parce que on n'a pas lancé la soirée, c'est. Si, 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 c'est Non. lancé. Mais juste après derrière. Mais ce que je Ouais. veux dire, c'était la fin du repas. Tu vois, on a fait ça juste après les gâteaux. Donc, l'avantage, c'est que c'était pas trop tard. Oui. Donc après, ça a lancé la soirée complètement. Moi, Donc si j'avoue, quelqu'un c'est veut. ça. Souvent, après l'ouverture de bal, ils vous rejoignent, puis ils prennent. C'est pas qu'ils n'ont pas aimé l'ouverture de bal, c'est que parfois, ils ne prennent pas le temps de dire c'était génial, parce que là, ça y est, ils sont lancés, vous venez de lancer la soirée, donc c'est pour ça. Si Est-ce que vous on avez a eu des retours? eu des retours, ouais. Si on a eu des retours, après, c'est vrai qu'on a plus. On était. On les a plus entendus pendant les vidéos. Ouais, Parce les qu'en vidéos fait, des on gens. entend. En fait, c'est dans ton truc, tu n'entends rien, en fait. Non, t'es dans ton truc, ouais. Tu n'entends pas. T'es vraiment focalisé T'entends pas sur ta partenaire. les wa, t'entends pas tout ça en fait. Incroyable. Vous avez entendu quoi dans la vidéo? Bah oui, on a entendu que ça applaudit, ça a Ça sifflé, sifflait, les c'était cool. wa, c'est Non, c'est effectivement, si, sympa. on a eu, bah, les gens s'attendaient pas à ce qu'on danse comme ça. Ouais, non, c'était cool. Et juste pour rebondir, et après, personne n'en a reparlé de la chorégraphie. Si, 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 Ah bah là en si, tout au fait, long de la soirée après. certains nous ont dit le lendemain, effectivement, en fait, ils étaient tellement bluffés qu'ils n'avaient même plus de mots. Tellement ils pensaient pas du tout. Parce que là, on dirait que ça se la raconte. Non, oui, non, non, mais c'est vrai qu'on a, ils avaient, c'était, non, c'était, il y en a, j'ai ma tante qui m'a dit à un moment donné, tes pieds se sont soulevés, on s'est demandé si il n'y avait pas harnais ou après, c'était marrant. Non, Bon. c'est mon côté délicat qui l'a soulevé. Et mais pour terminer, peut-être un conseil pour tous les futurs mariés bah, qui regardent l'interview, ceux qui sont là à l'atelier, puis qui se disent, nous, on est débutants, vraiment, enfin, on ne sait même pas par où commencer, est-ce que ça va être possible, est-ce que ça va être possible de prendre le temps d'y aller? Ce serait quoi vos conseils pour avoir chorégraphié votre ouverture de bal de A à Z? Faut Enfin, réussir à prendre du temps. Alors, c'est facile à dire. Alors, Aurélie et moi, pourtant, tu sais, on a des horaires de travail quand même qui est compliqué. on a la chance, nous, d'avoir les enfants qui sont grands, mais Ouais. avoir un emploi du temps au niveau du boulot qui est un peu speed. Nous, ce qu'on a apprécié dans ta méthode, parce qu'effectivement, au début, on a cherché, hein, même des cours, nous, on est en Touraine. Déjà, même le rapport qualité-prix, c'est rien ce que tu proposes Et par rapport ton à ton investissement, investissement, ton temps. C'est des tutos, effectivement, qu'on peut faire à tout moment de la journée, le soir, le week-end, quand on veut. hein. Moi, j'avais peur d'oublier en plus. Donc, effectivement, on aurait été voir un prof en présentiel. Et ben, on n'aurait pas pu reprendre nos cours parce qu'effectivement, ben, une fois que tu as ton cours, tu rentres chez toi. Que là, le fait que tu nous pousses à nous filmer, et ben, on peut se regarder aussi, regarder où on en est. On a le temps de refaire les tutos 15 fois. Ben, nous, on les a fait, mais je ne sais pas On les a fait combien de un paquet fois. de fois. La valse, on avait choisi la valse romantique. On n'y arrivait pas, on l'a fait. Après, on a fait le musette qui était pas très joli, que tu nous as fait changer. Mais c'était, en fait, cette méthode nous permet vraiment de le De faire prendre notre temps. quand tu veux, bah vraiment, même le répéter autant de fois qu'on veut. L'enregistrement, même si c'est dur, hein, parce qu'on ne va pas vous cacher que se filmer, c'est hyper dur, mais finalement, bah, plus on le fait, Plus on se sent à l'aise.
plus on se sent à l'aise et ça nous a permis de corriger ben, les choses. Et des fois, on a l'impression qu'on a dansé hyper mal, alors que finalement, ben, c'est vrai qu'on ne le voit pas sur la vidéo. Mais non, non, c'est une méthode qui est pour tous ceux qui ont des jeunes enfants, qui ont des emplois du temps compliqués. On a vu des couples qui étaient en 3-8 aussi, et je pense que ça rassure. Et même par rapport au niveau, ça permet de bah, pas de se sentir gêné, parce que je pense que quand on arrive avec un prof, on a toujours l'impression qu'il faut au moins savoir danser un minimum. Alors que là, bah, on est entre nous, ça crée une connexion. Donc je sais que c'est la chose qu'on a préférée dans notre préparation, c'est la danse, ça nous rapproche. Ça nous apprend aussi, bah, on revoit nos personnalités, hein. On revoit aussi notre mode de fonctionnement, d'apprentissage. Moi, j'ai besoin de travailler plus, et Jean-Marie, c'est sa marionnette. Mais Non, ce qui est ouais. bien, c'est que vu que tous les mois on avait des masterclass, ça nous obligeait À à travailler. travailler. Parce que au début, je n'avais pas écouté des fois aussi, j'aurais pu des fois dire, eh, c'est bon, la masterclass, ce mois-ci, on ne la fait pas. Mais c'est bête à dire, mais en un an, on n'en a pas loupé une seule. Ouais, c'est vrai. On les a toutes faites. Alors, autant des fois, il y a eu des moments où des fois, j'étais un peu dur. Aurélie, c'est pareil, une fois ou deux, c'était un peu compliqué. Donc, Parce qu'on n'avait pas assez dansé, ouais. on s'est challengé l'un à l'autre. Et au final, on les a toutes faites. Et heureusement qu'on les a toutes faites parce que c'est ça qui nous a permis de donner le rendu que ça a fait pour notre ouverture de bac, quoi. Surtout que bon, bah, nous, on a vu hein, des couples qui l'ont fait en 6 semaines, hein, avec le défi, et qui on s'est dit, waouh, wow, ils ont réussi à 6 semaines, on a mis du temps. Nous, on a dû bosser, hein, on était de moins 10, hein, on Ah, était. mais t'es nul. Je me permets de rebondir dessus, c'est que je m'adapte beaucoup et c'est pour ça qu'au début d'atelier, je demande au couple quand est-ce que vous allez vous marier. Nous, on l'a surbossé parce qu'on avait beaucoup de temps. Donc, je me suis permis beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnalisation. Aurélie, il faut le dire quand même, c'est que tu as pris goût au travail chorégraphique. Tu as vraiment été la chorégraphe. Aurélie, j'ai des mariés, ils suivent le défi, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas envie de réfléchir et les ouvertures de valse sont extraordinaires. Mais Aurélie, elle est partie chercher des figures en dehors tellement, enfin, elle a aimé ça, c'est un travail chorégraphique, au dehors de moi, ce que je proposais. Donc, j'ai rebondi dessus, enfin, ça reste mon métier, etc. Donc, vous vouliez quelque chose de super travaillé. Je pense que c'est ma deuxième chorégraphie la plus travaillée de tout le défi en ligne. Peut-être deuxième, troisième. Mais c'est une des plus travaillées que j'ai Après, moi, je suis dans le défaut qu'il m'a donné, c'est la sur-organisation. Donc, moi, je suis dans l'anticipation, plus, plus. Donc, forcément, comme je suis. Dans le contrôle. Ouais. Et du coup, effectivement, il y a le regard sur soi et tout ça qui prend trop le dessus et j'ai besoin de maîtriser. Donc, Moi, je après, je ne sais tenais à pas vous pendant dire. que les couples se marient, mais la recherche, oui, la recherche. Déjà, moi, j'ai besoin de voir avant, j'ai besoin de concret. Donc, effectivement, j'ai même recherché. On a suivi une chorégraphie. Après, on a adapté avec les tutos, avec On l'a ajusté. l'a rajusté. Mais c'est vrai que moi, du coup, j'avais des fils d'actualité de danse pour la journée, quoi. Donc, forcément, quand je voyais un truc, je disais à Jean-Marie, ah, t'as vu Ah, c'est ça? joli. C'est beau. Et là, tu me disais, non, c'est pas pour vous, parce que c'est pas pour du temps. Bien, non. Non, on ne touche plus à ça. C'est joli, c'est parti. Et progressivement, tu nous as fait amener sur bah, comme le deuxième portée, en fait. Parce qu'à un moment donné, on avait complètement autre chose, on était sur princesse. Et tu nous as amené petit à petit, par le travail aussi, toi, à arriver à ça, quoi. Parce que je vais encore une fois avec l'envie des. Je vois avec l'envie, les capacités, les forces que vous avez, ce n'est pas les forces de l'autre, vous avez un bel écart Puis je vais toujours pousser les élèves, mais il y en a que je pousse beaucoup moins. Mais vous vouliez faire la chorégraphie de votre vie, donc je vous ai accompagné, je vous ai suivi. Là-dedans, vraiment, vous me donniez, je suis obligée de vous donner en retour autant en termes de travail chorégraphique, recherche de détails, exigences. J'ai des couples, ils veulent juste faire un petit truc sympathique. Je ne vais pas leur dire, si, vous allez faire trois portées. Enfin, je vais avec ce que chacun a besoin et vous vouliez faire une chorégraphie extraordinaire. Mais je ne peux pas vous décevoir, faut que j'y aille. En tout cas, on arrive sur la fin. Moi, je tenais à vous dire que ben, vous savez que j'ai été émue à la fin. Je vous ai vu pendant un an. C'était extraordinaire de vous suivre à chaque étape. C'était un vrai plaisir. Puis le résultat final que je vais partager à la fin.
Il valait tout, puis vous allez, à chaque fois que vous allez entendre cette musique, vous vous rappellerez, c'est comme nous en compétition, nos musiques, ça fait un petit quelque chose, c'est des musiques uniques à vie que vous allez avoir. Mais on est bon, on a dépassé de 4 minutes. Aurélie JM, merci beaucoup pour votre temps. Je vais prendre 3 minutes de plus pour expliquer une petite surprise. On est en contact, de toute façon, je vous écris de suite après. Merci.